Bonjour les passionnés de peinture. Dans cette petite analyse, je vais vous présenter un tableau de William Beckmann qui s'appelle My Father, qui a été peint entre 1988 et 1993. Et je vais tâcher de vous montrer deux, trois petites choses concernant les dialogues des formes. Regardez, chers amis de la peinture, ce magnifique tableau. Et si j'observe par exemple la main qui est à gauche, donc la main droite du modèle, regardez comment le peintre dispose les doigts, comment il montre les doigts de manière assez évidente. Et il les montre de telle manière à ce qu'il crée un dialogue avec les barreaux du fauteuil, hein, les barreaux qui sont à droite. Ensuite, si je vois les bretelles, en fait, il n'y a qu'une bretelle qui est visible, l'autre est cachée volontairement. Et cette bretelle rouge, elle dialogue avec le montant du fauteuil qui est à gauche du tableau. Regardez aussi les plis du pantalon, comment il dialogue avec les barreaux du fauteuil. Et ce qu'on peut encore observer, c'est les vides. Regardez le triangle qui est à gauche, qui monte. Ensuite, je tourne autour du modèle et la forme, le vide qui est à droite, me permet de descendre. Et en fait, juste avec ces deux plans, il est en train d'imprimer un mouvement qui crée une rotation autour du modèle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez deux, trois indices pour demander à votre modèle, si vous faites un corps humain, de prendre plutôt telle position parce que ça va vous arranger d'un point de vue des formes. C'est à vous de décider de mettre en place votre modèle, votre sujet, pour créer des relations à l'intérieur de votre peinture. Je vous dis à très vite pour une prochaine analyse.